Elle est vraiment charismatique comme héroïne. Pense que t'es. Ici Iden Vessio, du Raider Imperial Corpus. J'envoie ce signal de détresse à l'Alliance Rebelle. Nous nous rendons. Contactez le général immédiatement. Donc tu t'es dit que c'était un piège, mais tu les as quand même fait monter. Tu passes ton temps à me dire de prendre des risques. Ça m'a semblé être la chose la plus irresponsable à faire. Lando ! Quel risque ! Il est énorme, lui. Bonjour. Je suis le général Lando Calrissian. Et j'imagine que vous devez être les déserteurs impériaux dont on m'a tant parlé. Général, nous avons déjà dit à vos hommes tout ce que nous savions. Allons faire un tour. Très bien. Ouais. C'est vrai, c'est humain. Qu'est-ce que c'est ? Il y en a beaucoup qui disent que la VF est nulle à chier dans le jeu, moi je l'aime bien. Shreve pense que vous êtes des espions impériaux. À votre avis ? Je crois que vous avez peur. Et que vous êtes en fuite. Écoutez, vous nous avez renseigné sur l'opération Cendre. En échange, je vous offre deux chasseurs, rien pour vous. Attendez, vous nous laissez partir ? Bien sûr, changez de vie. Trouvez un endroit sûr. Un endroit où vous pouvez nous surveiller ? Nous avons d'autres préoccupations. On vient d'apprendre que l'opération Cendre va frapper Naboo. Ah. Vous devez l'arrêter. Naboo. Je pense qu'on peut y arriver. C'est faux. L'Empire est en train de changer, et ses méthodes aussi. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas venir avec nous ? Aidez-nous à sauver Naboo. Nous ne sommes pas là pour rejoindre la rébellion. Personne ne vous demande. C'est une chance unique. Vous pouvez partir maintenant, ou nous aider à arrêter ça. Vous nous laisseriez nous battre à vos côtés ? Que voulez-vous ? Je crois sincèrement aux secondes chances. Ah, même lui, il avait trahi Han Solo à un moment. On ne sait même pas comment piloter un X-Wing. Rien de compliqué pour les forces spéciales. C'est quoi les options, Iden ? Alors, quelle est votre réponse ? Naboo! Les chasseurs, commencez l'assaut! Oh putain, c'est dur les vaisseaux en plus. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Ah, il y a Leia. Ici la princesse Leia Organa. Information sur ma position. Lando, protège la princesse. On se charge des satellites Cendre. Je suis derrière vous. Oh, ne m'échante pas. Seulement si l'un d'entre vous tente un truc, je l'abats sur le champ. Vous pensez vraiment y arriver ? On ne m'appelle pas leader danger pour rien. Je détecte une signature thermique sous les satellites centraux. Ça doit être le noyau d'énergie thermique. Alors c'est là qu'il faut concentrer nos vies. Ouais, c'est clair. Les satellites détruits. Putain, j'ai vraiment du mal avec ces vaisseaux, c'est horrible. Oh, on va refaire un passage. Un deuxième passage. Voilà. Ah, franchement, moi je kiffe aussi. Hein. Bien sûr. Merci de nous le rappeler. Sur votre position, leader Danger.
arrive. Très bien. On va rappeler à l'Empire à qui il a affaire. Wouhou! Par contre, c'est vraiment dur à manier, à prendre en main les vaisseaux. Ils ont carrément changé le truc et... Allez, 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 allez! Joli tir, commandant! Oh, oh! Elle n'est pas commandant dans mon unité! Yeah! Youhou! Encore un satellite de moins. C'est super dur. Hein. Ces canons traversent nos boucliers. Le plus judicieux serait de commencer par détruire les systèmes de défense. Bien sûr. Yeah, un fait. Satellite HS. Tout va bien dans le secteur. Voilà. On va se charger du dernier. Vous, occupez-vous de ce destroyer stellaire. Les renforts clés sont là. Les bombardiers Y-Wing. Protégez les bombardiers Y-Wing. Ils sont où? Oh maman, ils m'ont fait peur, ils m'ont surprise. À toutes les unités, nous devons concentrer nos tirs sur les boucliers du destroyer stellaire. Un groupe de TIE vise nos bombardiers. Je vais y arriver. Bah arrêtez de bouger aussi. Formation d'escorte, on va les aider. Yeah. Ensuite, sont le reste. Bah plus j'en tue, plus y'en a. Oui. Ah non, ça m'a bloqué. La tristesse. Oh no. No, no, no. Il reste des satellites à abattre. On va se charger du dernier. Vous, occupez-vous de ce destroyer stellaire. Des renforts clés sont là. Des bombardiers Y-Wing. Protégez-les. Concentrons nos tirs sur les boucliers du destroyer stellaire. Eh, hey, vous ne donnez pas les ordres ici. Wouhou! Un groupe de TIE vise nos bombardiers. Interceptez-les. Formation d'escorte. On va les aider. Ouais, ça c'est clair. Ah mais c'est... Normalement il a explosé. C'est vraiment intéressant, mais c'est juste les vaisseaux qui sont vraiment durs à prendre en main en fait. Parce qu'en fait, là je bougeais avec l'analogue droit. Voilà. Et là je bougeais avec l'analogue gauche. Donc du coup, c'est un peu dur de. J'ai l'impression que c'est inversé en fait. Et... C'est pour ça que c'est vraiment plus compliqué en fait. En fait, faut juste se dire que l'analogue gauche en fait pivoter le vaisseau en fait. Voilà. C'est ça en fait, mais c'est dur à. Quand t'es habitué à jouer d'une certaine façon et que du jour au lendemain on t'apprend à jouer d'une autre façon. C'est. Une fois les boucliers hors ligne, le restant Echan finira le travail. Et toi ? Notre vaisseau amiral. Je ne peux pas résister seul face à un
Encore ! Arrêtez, c'est chiant ! Je galère là, je suis en concentration extrême là. Faut essayer de pas me cracher justement. En plus il rase bien les trucs, tu sais. Faut bien que je me crache quoi. Bande de fouines ! Il y en a un autre, il est où? Là. Hop. Ouah. C'était tendu. C'était tendu. Attention, vaisseau ennemi en approche. Voilà. 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 Encore ? C'est une rigolerie. Et encore. Et encore, je joue pas en vue première personne. Hein. Là, je suis en troisième. Si je devais utiliser la première personne, j'aurais déjà gerbé déjà. Plein de fois. Et je serais mort aussi plein de fois. Non, parce que la vue première personne, c'est la gerbe directe. Hein. Donc, je vais éviter de vous faire gerber, me faire gerber aussi. Surtout qu'en plus, comme je sais pas vraiment manier les vaisseaux, ça serait pire. Oh mais y'a combien de vaisseaux à niquer là? Premier bouclier détruit, j'y retourne pour le second. Mais t'es sérieux? Vous avez mis tant que ça pour niquer un bouclier? C'est une blague. C'est de la rigolerie. Ah le pauvre. Bouclier HS. Ah. Nos chasseurs Y Wing ont largué toutes leurs bombes. Ah. Restauration, vous pouvez attaquer. Tous les autres, repliez-vous. Seul à voir ce destroyer stellaire brûler. Le protocole impérial est de se mettre à l'abri dans un endroit sûr. Ces vaisseaux se dirigent droit sur Tide. Ils vont s'en prendre à la ville. Que tout le monde rejoigne Tide aussi vite que possible. Un peu d'arrêter tout ça. Tide, palais royal. Ah, il s'appelle Tide. Ah, princesse Leia. La guerre est déclarée. Altesse. Leader Danger. On ne sera que quatre. Quelqu'un sait y faire avec les machines? Oui, moi. Suivez-moi. Tide a un système de défense. Ce système nous permettrait d'arrêter l'Empire. Mais la tempête a endommagé les relais d'alimentation de la ville. Nous devons les réparer pour pouvoir l'activer. On va se séparer, puis réparer les relais. Quand on aura fini, on se retrouvera au palais. Compris? Ouais. Compris. Ouais. Ah, je vais jouer. Leia? Quelque chose qui arrêtera l'Empire. Bon, allez, c'est parti. Des renforts impériaux convergent vers ce secteur. On peut les arrêter, mais il faut que vous réactiviez ces relais. À vos ordres. Sécurisez la zone. Oh, j'adore le bruit. Entendu, princesse.
Là, on doit sécuriser le marché. Alors, je vais juste regarder. Elle a tir rapide. Ok. Un bouclier d'escouade et grenades aveuglantes. Ok. Donc, ça, c'est la grenade aveuglante. Ils sortent d'où les Stormtroopers? Ils sont où là? C'est ça que j'adore dans Star Wars, c'est l'ambiance sonore, c'est tout en fait. C'est pas si mal les gars. De quoi tu es opérationnel? Ah voilà. Donc les relais alimentent toute la ville en énergie. C'est ça. Et tant qu'on n'aura pas rétabli le réseau, Tid ne pourra pas arrêter. Et je trouve que c'est vraiment bien mis en scène en fait. C'est... Marcheur ennemi, j'ai besoin d'un bombardier sur ma position. Vite! Affirmatif, Altesse. Mettez-vous à couvert. Marcheur abattu. Ouh. Non. Continuez, il faut contre-attaquer. On a pratiquement réactivé un autre relais. Pratiquement? Ce truc est complètement solo. J'ai besoin de plus de temps. J'ai confiance en vous. Ça fait plaisir à entendre. Venez
Oh, ouais, c'est 2 PV. Oh! À vous de jouer, Del. Je m'en occupe. Sur moi! Princesse, mauvaise nouvelle. On est coincé par un bipode de surveillance. On ne peut pas rejoindre votre position. Maintenez-le occupé et restez en vie. Vous serez en sûreté qu'une fois l'impulsion ionique lancée. Bien reçu, princesse. Oh, tu fais quoi t'as avec ta matraque là? C'est bon pour nous. Shrive, quel est votre statut? Le relais fonctionne. Parfait. Tous au palais. Del va entrer et déclencher une impulsion de vie. La reine avait pris des précautions avant la guerre des clones pour préserver Naboo des invasions. Une impulsion ionique qui neutraliserait toute menace au sein du palais. T'as pas de problème aux armes ? Pas si on est dans le palais. Alors, je pense qu'en parlant de la reine, elle parle de Padmé Amidala, je pense. Bon, ça c'est de la grenade flash. Je crois que j'ai bien fait de bouger, je crois. Ouais, je fais que ça, me replier. Comment ça se passe? Ça avance. Les protocoles de sécurité sont étonnamment complexes et obsolètes. Il gagnera du temps, mais pas beaucoup. Ne vous en faites pas, princesse. Ça suffira. Ne les laissez
laissez pas monter. Tenez-les à distance des portes et continuez à tirer. Princesse, l'impulsion est bientôt prête. Tant mieux, parce qu'on n'a bientôt plus nulle part où s'abriter. Del, le moment me semble idéal. Je suis prêt, Votre Altesse. Les soldats sont trop nombreux sur notre position. Ce marcheur est trop puissant. Lancement de la séquence de détonation. Entrez dans le palais. C'est con ça. Ah ouais, en effet. Ah. C'est le drame. Oh, le pauvre petit robot. Vous avez fait du beau travail, mais je n'en attendais pas moins de la part de l'escouade Inferno. Donc, vous avez parlé au général Calrissian. Vous savez que vous avez causé beaucoup de tort à notre alliance. C'est exact, Altesse. Et nous n'avons aucune excuse. Quand on vous regarde combattre, il est évident que vous ne fuyez pas que l'Empire. Tout cela vous importe beaucoup. Oui, c'est vrai. Nous avons combattu toute notre vie durant. Mais il nous a fallu bien trop longtemps pour comprendre qu'on luttait du mauvais côté. Cette guerre est loin d'être terminée. Nous aimerions lutter à vos côtés, si vous le voulez bien. Vous savez que grâce à vous, et à vos semblables, l'espoir peut triompher. D'autant que c'est grâce à l'espoir que nous gagnerons. Bienvenue dans la Nouvelle République. Merci, Altesse. Oh, c'est mignon! Oh, c'est mignon tout plein! Ah, quelques mois plus tard, carrément. Sénatrice Organa, ça faisait longtemps. Bâtir une république, c'est beaucoup de travail. Tout comme traquer sans relâche une flotte impériale. Et ça ne va pas s'arranger, commandant. J'ai besoin de vous. Un de nos généraux a disparu. J'ai retrouvé sa trace sur Takodana, mais il ne répond à aucun de mes appels. J'aimerais que vous retrouviez Han Solo. Oh oh ! Son petit amour.